Et bienvenue pour l'explication de Didn't I. C'est une danse de 32 comptes, 4 murs, un tag, un restart sur une super musique des Blackburn. C'est parti pour l'explication des pas. Poids du corps sur la jambe gauche, première section. On démarre par un diamant, diagonale avant droite. Marcher droite, gauche. J'avance mon pied droit devant et je vais pivoter dans la diagonale arrière droite pour reculer pied gauche derrière et pied droit derrière. Je recule ensuite pied gauche derrière, toujours dans cette diagonale. Avec mon pied droit, je vais me remettre face à 6 heures pour terminer sur un quarter step arrière gauche. Quarter step. Deuxième section, on va talonner le pied droit devant. Poser le pied droit, pointer le pied gauche derrière. On peut, en même temps qu'on pointe, toucher avec la main droite le chapeau. C'est en option. Poser le pied gauche derrière, talonner le pied droit. Hook et talon droit. Je vais rassembler pour switcher et avancer mon pied gauche devant. Pivoter un quart de tour sur la droite, je me retrouve face à 9 heures. Je ravance mon pied gauche devant et je repivote un quart de tour sur la droite pour revenir face à midi.
Troisième section, Irwin, on va talonner son pied gauche, pointe vers l'intérieur pour prendre appui et déplacer son pied droit à droite. Quand je termine, j'ai ma pointe gauche qui est ouverte vers l'extérieur. C'est le heel, je croise mon pied gauche derrière, pied droit à droite, et talonner le pied gauche. Je peux faire ensuite un bon cross du pied gauche pour croiser mon pied droit devant. Poser le pied gauche à gauche, suivi d'un cross and cross. Cross and cross. Dernière section, on pose son pied gauche à gauche, side touch du pied droit, side à droite, kick dans ma diagonale avant gauche, quarter step arrière gauche, pied droit devant, pivoter un demi-tour vers la gauche pour arriver à 6 heures, et je ravance pied droit devant, pivoter un quart de tour pour terminer à 3 heures. Je refais depuis le début avec les comptes. 7, 8, j'avance. 1, 2, 3 et 4, recul. 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5. 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4, tourne 5, 6, 7, 8 et on se retrouve face à 3 heures pour enchaîner notre deuxième mur. Vous allez donc avoir un tag à la fin du premier mur et un restart qui sera au deuxième mur. Il y aura une petite modification sur la fin de la section 4. Au premier mur. La section 4 fait side touch, side kick, quarter step, step avant droit, demi-tour. Et au lieu de faire un step quart de tour à gauche, on va refaire un step demi-tour du pied droit, step avant droit, demi-tour, comme ça vous êtes à midi et vous pouvez faire stamp à droite, stamp à gauche et des applejack. Donc pour le fun, on peut mettre les mains au niveau de la ceinture et on va faire applejack à gauche, à droite, à gauche et à droite. On peut bien évidemment modifier ces applejack par stamp, stamp, talon droit, rassemble, talon gauche, rassemble. C'est une possibilité. À vous de trouver votre option que vous préférez. Au deuxième mur, un restart après la deuxième section. On va donc se tourner face à 3 heures. Première section, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. 6, 7, 8. Ici, on va juste se rajouter un petit « et » en faisant un bol du pied gauche, plante de pied, pour pouvoir reprendre ma danse depuis le début en marchant droite, gauche et mon diamant. Je vous souhaite donc un bon apprentissage et on se dit à très bientôt sur les pistes.